Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour aller direction un appartement en rénovation. On a rendez-vous avec le plaquiste ce matin. Le plaquiste, c'est l'artisan qui va mettre les plaques de placo, qui va isoler et qui va faire les bandes ensuite avant le peintre. On se retrouve donc sur ce F3, on va le mesurer également, parce que je ne sais pas exactement combien il fait. Je sais qu'on va le mettre sensiblement à 750€ par mois. Donc ce matin, moi de mon côté, il me reste à le débarrasser parce qu'il y a encore pas mal de gravats par terre, on a fait les ouvertures, etc. Donc 750€ par mois en location nue, c'est-à-dire sans meubles, typique un couple plus un enfant. Voilà, donc je vous emmène avec moi, direction le chantier, on est parti, ça démarre fort, début de semaine, let's go! Oh. Allez! Changement de véhicule. Voilà, il va falloir tout dégivrer. Il va falloir mettre de l'essence. Quart de tour. Voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Allez, on dégive tout ça. Temps de mettre du gasoil. On arrive à combien de kilomètres là? Voilà, allez, 206, 468, c'est là où ils sont les meilleurs, les trafics. Allez, on va les remplir tout ça en gravat ce matin et mettre en place le plaquiste. C'est une nouvelle semaine de repos qui commence et une nouvelle semaine de jeu avec une cagnotte à moins 300€. C'est bien bon, la bonne réponse est pour lui. RTL2 ajoute 100€. Bonjour, Pierre, le couvrable de Saint-Brieuc. Ben voilà, c'est fini. C'est quoi, c'est fini? C'est bon? Ce soir, c'est fini ça? Ce soir, c'est fini ça? Bah oui, c'est fini. Attends. Hey, le but pour moi ce matin, ça va être de dégager tout le bazar qu'il y a là sur les périphéries. Juste ici. Le plaquiste, il arrive avec l'isolant qui est juste là. Donc, je vais faire du propre. Je vais décaler tout ça de façon à ce qu'on puisse tracer toutes les cloisons dans l'appartement afin qu'il puisse ferrailler. Allez, je fais un petit arrêt là sur image pour que vous puissiez voir suite à la conférence que j'avais fait la fois dernière sur les nouveaux DPE. Regardez, la première étiquette, là on est sur 101, c'est l'épaisseur en millimètres, donc 10 cm. 0032, c'est lambda. Donc si vous prenez l'épaisseur, donc 101, vous la mettez en mètres et que vous la divisez par le lambda, alors vous allez vous retrouver avec le R de référence, donc 3,15 ici. Plus le R est grand, et forcément, plus c'est isolé. Il est là. Ça fait arriver où? Ça fait arriver là. Là, on a une porte de... Ici, ça va être bâti 83. C'est le bâti PVC qu'on a là-bas, là. C'est ça? Ouais. Et combien? 93. Tu retires encore 6. Tu veux que j'aille remesurer là-bas pour savoir combien j'ai exactement? 5, 6, 4, 27, normalement, on t'apporte pas. Donc ça irait ici? Ça irait, ouais. Comme ça me fait mes... J'ai mes 9 mètres carrés de chambre ici. On a la porte ici. Parfait. Et là, on a la porte ici.
bon, ça va faire une belle chambre. Hein. Parce qu'après, ça, c'est ouvert sur le reste. Chambre dressing. Et t'en as un café 87. Allez, je sors du chantier à l'instant. Donc ça avance bien, le plaquiste est en route, on a fait le point ensemble, on a dessiné les cloisons, on a mesuré les portes, donc il va me falloir 6 portes intérieures que je vais aller chercher. Le trafic est complet là, on pourra aller faire un séjour à la déchetterie, donc ça avance bien sur ce F3, j'ai hâte de le mesurer une fois terminé pour voir la surface, le nombre de mètres carrés, le prix à la location, sachant qu'il y en a en demande, on aurait pu le louer en fait au même moment qu'on a fait les visites pour là-haut. En haut, on en a déjà loué 3. On est sur un ensemble de 9 appartements, donc autant dire qu'il y a beaucoup de demandes et on vient répondre à la demande en fait, alors qu'on est dans un village. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué sur une précédente vidéo. Allez, moi j'avance, je vais m'arrêter pour déjeuner un petit bout, parce que sinon ça va être compliqué. Je vais vider tout ça et puis j'y retourne. Ça, je verrai l'état d'avancée, mais là ça avance bien, je suis content. Toute l'isolation est plaquée. Vous avez vu, hein, je vous ai montré le R de 3,15, coefficient de résistance. Hein, pour calculer un coefficient de résistance, vous prenez le lambda, vous le divisez par l'épaisseur du matériau, et ça vous donne le R. Voilà, allez, on avance, let's go. Je vous emmène avec moi. Allez, on arrive sur la fin de cette vidéo. Hop, je vais regarder ce que le plaquiste a fait, si on voit encore quelque chose. Yes, toute cette partie est isolée. Ici, super. Bon, on va pouvoir commencer à passer toutes les gaines électriques. Voilà, tout ça c'est isolé, toute cette partie-là est isolée. Là, il y a encore à casser encore un peu. Ici, on a cette pièce qui est isolée également. Donc ça avance. Allez, voilà pour cette vidéo. Je vais vous faire suivre donc sur les prochaines vidéos l'avancée, bien entendu, de cet appartement. Si ce genre de vidéo vous plaît, en immersion totale dans les travaux pour voir toutes les étapes, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut et me le dire en commentaire. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très vite. Ciao, ciao.